numéro de téléphone qui c'est 38 54 95 24 que on dit gagner deux autorités qui qu'on a parlé avec bandit ça et par conséquent ils ont demandé nous mêmes comme commission justice pour une saisine de lui. Nous écrit président sénat républicain Kalmura Cantave un jour après soit le 13 mars 2019 pour demander à Conatel via son ministère de tutelle pour le nous relever des appels téléphoniques qui passaient de numéro, à partir de numéro ça ou bien qui aboutissent au numéro ça. Effectivement, nous avons relevé des appels que nous. Et là-dedans, j'en ai tout connu, et je crois c'est parce que nous avons des informations que nous avons posées. Nous avons un parlementaire qui cité là-dedans. Qui a gagné un ensemble de 24 conversations téléphoniques. Gagné qui durait 15 minutes 92 secondes. Gagné qui durait 12 minutes. Gagné qui durait 1 minute. Et appel ça au passé du 7 février 2019 au 22 février 2019. On dit du nom. Commission, hein, chita rapidement sur ça, pour sur appel qui passe. Nous, on travaille sur lui et nous décider en commission pour nous tendre sénateur dont non. Un numéro ça, c'est numéro qui est attribué à lui-même. Le nom du sénateur, c'est le sénateur Gracia Delva. Le numéro, c'est numéro que nous fait enquête sous l'IA. C'est numéro qui est attribué à Anel Joseph. Et numéro que nous joignons qui fait appel qui passe, c'est numéro qui est enregistré au nom de sénateur Gracia Delva. Nous avons une date, nous avons côté yo émet, nous avons côté monsieur a teyé lui-même qui a recevoir appel yo, donc tout là. Vu constat ça, mais nous-mêmes le travail de la commission, c'est que nous entendons nous pour d'ici demain nous entendons des sénateurs Delva sous ça nous gagnons comme information. Et une fois qu'on aura terminé avec ce travail, la commission adressera un rapport à l'Assemblée des sénateurs au fait de droit. Au fait de droit, qui est capable de lever l'immunité? M'a dit. L'Assemblée des sénateurs, c'est l'IC.